Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club pour la partie du vendredi. La partie du vendredi, c'est une partie détonnante, minimum 1100 points et maximum 19 coups, donc ça dépote, hein, beaucoup de scrap, beaucoup de solutions avec qui optimisent les lettres chères, donc qui rapportent des points. Voilà, et en général, c'est assez agréable à jouer, et puis il y a plusieurs scraps possibles sur les coups, enfin pas toujours, hein, mais souvent c'est des parties assez ouvertes. Et voilà, là, l'intérêt c'est de prendre un peu de plaisir en jouant. À l'issue de la partie, le traditionnel décodage, hein, on passera en revue tous les coups pour voir les isotopes et les principaux sous-topes. On verra également les définitions des mots peu courants, et puis en troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, jusqu'à 9 lettres parfois, que nous n'aurions pas vues plus en avant dans la vidéo. On va démarrer. Ah, j'ai pas le petit truc qui s'affiche en bas. De toute façon, je vais vite l'enlever puisqu'on va démarrer très vite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà, à en parler autour de vous. 1070, vous êtes actuellement à nous suivre régulièrement, donc on est très très content. Alors oui, juste une petite parenthèse au niveau des... Non, mais en fait, non. Je voulais parler des publicités, mais on va les réduire un peu en termes de... Mais ça sert à rien que je vous le dise, vous le verrez par vous-même. Voilà. Eh bien, on est parti. On est parti pour la partie. Allez, je vous souhaite une très très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici Portugal P, Italie I, Suisse S, Luxembourg L, Égypte E, Italie I, c'est le deuxième, et Algérie. Vous jouez avec Portugal, Italie deux fois, Suisse, Luxembourg, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Pour ce premier coup, un maximum à 74 points. Horizontalement en H3. Nous posons épilé. E, P, I, L, A,
I sur la case centrale, c'est le deuxième I hein, qui est sur la case centrale, et S. Épilais, E-P-I-L-A-I-S, en H3. Ça vaut 74 points. Aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, voici Uruguay, U. Italie, I. Tunisie, T. Maroc, M. Hongrie, H. Luxembourg, L. Algérie, vous jouez avec Uruguay, Italie, Tunisie, Maroc, Hongrie, Luxembourg et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le maximum à 98 points. Faites très attention à la place. Nous allons jouer verticalement en 5 E en appui sur le premier I de Épilay. Et pour recouvrir les deux cases roses, Humilia, H-U-M-I-L-I-A-T. Humilia, H-U-M-I-L-I-A-T, en 5 E. Ça vaut 98 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Tunisie T. Roumanie R. Uruguay U. Égypte E. Grèce G. Algérie A. Et Canada C. Vous jouez avec Tunisie, Roumanie, Uruguay, Égypte, Grèce, Algérie et Canada. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 76 points. Attention au positionnement du mot verticalement en 3A. Pour terminer sur le E de épilet, nous descendons curetage. C-U-R-E. T-A-G-E. Curetage, C-U-R-E-T-A-G-E, en 3A, ça vaut 76 points. Une lettre reliquat, on vient de scrabler. Voici Norvège, N. Océanie, O, deux fois. Canada, C. Égypte, E. Uruguay, U. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Norvège, Océanie deux fois, Canada, Égypte, Uruguay et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 89 points. Horizontalement en A3, en partant du C de curetage, nous posons concours. C-O-N-C-O-U-R-E. Concours. C-O-N-C-O-U-R-E en A3.
Ça vaut 89 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Québec Q, Québec. Luxembourg L. Italie I. Uruguay U. Roumanie R. Égypte E. Et Algérie. Vous jouez avec Québec, Luxembourg, Italie, Uruguay, Roumanie, Égypte et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-dix-huit points. Horizontalement en L1. En appui sur le T de Humilia. Nous posons Quartil. Q. U, A, R, le T de Humilia, I, L, E. Quartil, Q, U, A, R, T, I, L, E, en L, 1. Ça fait 98 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Maroc M. Italie I. Tunisie T. Océanie O. Venezuela V. Jordanie J. Et Égypte E. Vous jouez avec Maroc, Italie, Tunisie, Océanie, Venezuela, Jordanie et Égypte. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 56 points. Vous ferez très attention à la solution choisie. Verticalement, en 2J, on appuie sur le U de quartile. Nous descendons joute. J-O-U-T. E. Joute, J-O-U-T-E, en 2J, ça vaut 56 points. Trois lettres reliquats, Italie, Maroc, Venezuela. On ajoute France, F. Italie, I, c'est le deuxième. Algérie, A. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Italie deux fois, Maroc, Venezuela, France, Algérie et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quarante-neuf points. Horizontalement, en O1, pour mettre un R au bout de joute, nous posons frimé. F-R-I-M-A-I. Le R transforme joute en jouté ER. Frimai, F-R-I-M-A-I en O1. Ça fait 49 points. Une lettre reliquat, Venezuela.
On ajoute Danemark D, Luxembourg L, Égypte E, Algérie A, Norvège N et Tunisie T. Vous jouez avec Venezuela, Danemark, Luxembourg, Égypte, Algérie, Norvège et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-neuf points. Verticalement, en 8G, en double appui sur le I de Épilet et le E de Quartil, nous descendons. Divalente. D, I, V, A. L, E, N, T, E. Divalente, D, I, V, A, L, E, N, T, E en 8G. Ça vaut 89 points. Aucune lettre au reliquat après ce nouveau Scrabble. Voici Égypte E. Italie I. Égypte E deux fois, ce qui en fait trois. Belgique B deux fois. Et Uruguay U. Vous jouez avec Égypte trois fois, Italie, Belgique deux fois et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-deux points. Horizontalement en N6. On appuie sur le T de bivalente et pour démarrer, au-dessus du I de frimé, nous posons bitube. B-I-T-U-B. E. Le B initial formant BI avec le I de frimé. Bitube, BITUBE en N6. Ça vaut 32 points. Deux lettres reliquat, Égypte deux fois. On ajoute Kenya, K, Kenya. Uruguay, U. Norvège, N. Égypte, E, c'est le troisième. Et Tunisie, T. Vous avez donc Égypte trois fois, Kenya, Uruguay, Norvège et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup est de 67 points. Verticalement, en 2D, en collante à gauche, de trois lettres de curetage, nous descendons TEC. T-E-K. Au passage, on forme TE, TE, EET et K, KA avec trois lettres de curetage déjà sur la grille. TEK, TEK en 2D, ça vaut 67 points. Au reliquat, vous avez
4 lettres. Égypte 2 fois, Norvège et Uruguay. Nous complétons avec Égypte E, qui sera le troisième. Luxembourg L. Et Grèce G. Vous jouez avec Égypte 3 fois, Norvège, Uruguay, Luxembourg et Grèce. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 76 points. Faites très attention à la solution choisie. Horizontalement en B9 en partant. En dessous du R de concours, nous posons englué. E-N-G-L-U-E-E. Le E forme Ré et le N forme En avec les deux dernières lettres de concours. Englué, E-N-G-L-U-E-E. En B9, ça fait 76 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Zambie Z, Égypte E. Roumanie R, Égypte E deuxième, Portugal P, Océanie O, Roumanie R deuxième. Vous jouez avec Zambie, Égypte deux fois, Roumanie deux fois, Portugal, Océanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 248 points. 248 points verticalement en 15A. Sur les deux cases rouges, on appuie sur le dernier E de englué, nous descendons réopérer. R-E-O-P-E-R-E-Z. Réopérer, R-E-O-P-E-R-E-Z, c'est en 15A, sur le dernier E de englué, et ça fait 248 points. Aucune lettre reliquat. Voici Suisse S, Égypte E, Joker, lettre blanche, Danemark D, Algérie A, Égypte E, deuxième, et Norvège N. Vous jouez avec Suisse, Égypte deux fois, Joker, Danemark, Algérie et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 93 points. Le joker sera un P de Portugal. Faites attention à la place. C'est verticalement en 1A, en collante à gauche de tech et de curetage, que nous allons descendre. Dépensa, D, E, Joker P de Portugal, E, N, S, A. Au passage, on forme ET, NET et SKA avec les lettres déjà sur la grille.
Dépensa, D-E, Joker, P-E-N-S-A, en 1A, ça vaut 93 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Tunisie T, Danemark D, Italie I, Suisse S deux fois, Norvège N et Algérie A. Vous jouez avec Danemark, pardon, Tunisie, Danemark, Italie, Suisse deux fois, Norvège et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-un points verticalement en 12 H pour mettre un S au bout de bitube. Nous descendons 10 ans. D I S A N T et le S qui vient mettre bitube au pluriel. 10 ans, D-I-S-A-N-T-S en 12 H, ça vaut 81 points. Aucune lettre au reliquat. Voici Wallonie W, Océanie O, Yougoslavie Y, Maroc M, Algérie A, Venezuela V, Hongrie H. Vous jouez avec Wallonie, Océanie, Yougoslavie, Maroc, Algérie, Venezuela et Hongrie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Trente-neuf points. Verticalement en 11 i. En collante à gauche de 10 ans. Nous descendons. Ova, H-O-V-A, horizontalement, on forme quatre mots, I-H-I, O-S, Va, V-A et A-N avec les lettres de 10 ans. Ova, H-O-V-A, 11 I. Ça fait 39 points. Trois lettres, reliquat, Maroc, Wallonie, Yougoslavie. On ajoute Océanie, O, Suisse, S, Norvège, N. Et Joker, lettre blanche. Vous jouez avec Maroc, Wallonie, Yougoslavie, Océanie, Suisse, Norvège et Joker. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. En 5 points. Verticalement en 6A. Attention à la solution choisie. En partant du C, disponible de concours et sans utiliser le joker, nous descendons. Sion, C-Y-O-N. Sion, C-Y-O-N en 6A. Ça vaut 35 points.
quatre lettres au reliquat, Maroc, Suisse, Wallonie et Joker. On ajoute les trois dernières. Suisse, S, c'est le deuxième. Xénophon, X. Et France, F. Vous jouez avec Maroc, Suisse, deux fois, Wallonie, Joker, Xénophon et France. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Ce sera le dernier coup de cette partie détonnante du vendredi. Pour 40 points, verticalement en 12A, en appui sur le L de Englué, le joker sera un O d'Océanie. Nous descendons Flo, F, L, joker O d'Océanie, W, S, Flo, F-L-O-W-S en 12A, ça vaut 40 points. Voilà qui termine cette partie en 17 coups pour un top cumulé de 1340 points, un superbe score que l'on doit notamment au monstrueux Nonuple à 248 points, là, réopéré, et puis à plusieurs Scrabbles qui atteignaient presque les 100 points. Allez, on va récapituler ça tout de suite dans le décodage. Alors, le décodage sur Duplicate Club, ça se déroule en trois temps. Premier temps, on passe en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et principaux sous-tops. Ensuite, on voit les définitions des mots peu courants. Et puis, troisième temps, ce sera un autre écran, un autre affichage, les potentialités des tirages, solutions en 7, 8, jusqu'à 9 lettres parfois, que nous n'aurions pas vues précédemment, c'est-à-dire soit pendant la partie en elle-même, soit pendant le premier temps du décodage. Et puis en bas, vous avez deux petites lignes qui défilent. Alors la première, c'est une sélection de quelques mots issus de la partie, hein, des mots de vocabulaire importants à retenir. Tech avec ou sans C, T-E-K, T-E-C-K. Alors, il y a aussi tech, T-E-C, mais c'est autre chose et c'est invariable. Adjectif teke, euglen, nom féminin, disant adjectif, ova, H-O-V-A. Avoyer, verbe, sion, nom masculin, C-Y-O-N, thallium avec deux L, nom masculin, quartile, on l'a joué, divalent ou bivalent, adjectif hein, dans les deux cas, bitube, B-I-T-U-B-E, c'est un adjectif ou un nom masculin, et B-T-B-E-T-E, c'est un adjectif.
Donc on peut l'écrire aussi EE. Et en dessous, alors en général, je vous mets soit une petite règle d'orthographe, soit une liste, soit une phrase mnémotechnique, où là je vous ai mis un 7 plus 1, c'est-à-dire 10 ans plus 10 ans au pluriel, on l'a eu dans la partie, plus Joker, eh bien, en plus une lettre d'appui sur la grille. Ça donne plusieurs solutions. Allez, j'attends qu'elles apparaissent. Donc 10 ans plus A, ça donne sadisant, du verbe sadiser. Plus E, dessina, avec D-E-2-S-I-N-T. Ou bien destina, son anagramme. Ou bien encore disante. Et puis encore une anagramme avec le E. Sadis-E-N-T. Sur un O, on a dissona, D-I-2-S-O-N-A-T. Verbe au participe passé invariable. Anagramme de stadion. Alors, ce n'est pas le verbe stadé ou le verbe stadier. Hein, c'est un nom masculin, stadion, S-T-A-D-I-O-N. Et on verra la définition après. Et sur un T, ça nous donnait distant, D-I-S-T-A-N-T-S. Voilà. Allez, on y va pour le décodage. Attention au décodage. voici le premier coup. Donc, épilé, scrabble unique. Bon, il ne faut pas le rater, mais ça va, c'est assez accessible. On fait la terminaison A-I-S. Et puis les autres lettres se combinent assez facilement. Scrabble unique à 74 et en dessous on était à 22 points avec épilé sans le S ou épila, pali, pelé, pilé, plaie, plaise, plié, etc., etc. Le coup d'après, alors humiliac, il faut faire attention à bien le placer, hein, deuxième coup. On a toujours pratiquement l'un des deux quadruples qui est ouvert, hein, donc soit ici, soit ici. Pas forcément pour scrabler, donc il faut vraiment chercher à ces endroits-là dès le deuxième coup. Et donc Humilia, mal placé, fait 74, et bien placé, fait 98. Thallium, hein, qui s'écrit toujours avec deux L, attention à ne pas faire la faute, ça fait 72 points en 6E et 66 en 6D. Humilia passait aussi sur l'autre I de épilé, mais sans doubler, 63. Et en quadruple, sans scrabler, Humilia A à 44 et Mutilé AI à 32. Notez un joli litam en collante quasi intégrale sur épilé. Je vais vous mettre la définition et je vous en parlerai tout à l'heure. Le coup suivant, on a trucage en main. Qui passe en G7 pour 71 points et au pluriel en 9A pour 63. Et notez que trucage plus E, ça donne curetage, alors qu'il fait 63 points ici en 3E et pour le top 76 en mot double. Kage en 4A, le C qui double, le mot qui double et ça colle un peu. Kage qui colle, bah oui. 31. Gère ça au même endroit, ça fait 29. Le coup suivant, pas de S. Ah si, on a un S, j'ai rien dit. Pour consoeur et écrouant, ça fait 62. Crooner sur le R de curetage, 62 aussi. Et pour le top, quatrième scrap possible avec ce tirage. Et cette grille, concours, du verbe concourir au subjonctif. Hein. Il faut que je concours. Donc c'est O-N-C-O-U-R-E, en A3 ça fait 89. Et sinon, sans scrabler, pas plus de 36 points avec courson. C-O-U-R-C-C-D-I-O-N, on verra la définition tout à l'heure, en A3. En triple, notez un joli nocé en collante intégrale à 34 points en 2B. Le coup suivant, alors on a reliquat en main sans le T, donc avec le T, on a reliquat sur un T, mais le T qu'on a d'accessible ne permet pas, il faut jouer de l'anagramme, quartil, 98 points, pour le top, sous top, laqueré, à 80 points en K4 et à 75 en 7G, voilà, il n'y a pas de F, pas de C pour cliquera, fliquera, etc. On verra les appuis tout à l'heure s'il y en a d'autres.
Etrika en L4 avec le Q qui double et le mot qui double, ça faisait 44. Quarté ou quarteux, c'est un verbe. Et car, ça faisait 42, 40, qui est kilt aussi. Allez, je vous ai ajouté quelques définitions, on les verra tout à l'heure. Alors, le coup suivant. Le J qui triple, le mot qui double. Trois solutions. Sur le U de Quartil, jouer, joui ou joute. On a retenu joute, forcément, pour c'est un verbe. Hein. On peut mettre RSZ au bout, puis on peut également mettre un A devant, donc ajouter. Ça peut être intéressant pour jouer ici. En coulant dessous, épilé, prolongé, curetage, etc. Ailleurs, 37 points avec Jive en K8, en mot double et en mot triple, et j'ai EJET en 8L. En 2J, si on joue le J, le V à la place du J, on descend à 32 points. Alors, pourquoi je suis revenu en arrière ? C'est une erreur. Le coup suivant, Frimet qui fait jouter ER, qui double le M, qui triple le mot, ça fait 49 points, sans le I, 46. En mot de 4 lettres, frais et vrai au même endroit font 37. En 2B, fumé, collant sous concours, 33. Tout comme revif et vérif en 8K. Le coup d'après. Alors, on a des lavants, des valants, des laves, des vals sur un E ou un A. Et on n'a que le A qui est accessible, celui de épilé. Des valants et des lavants sont à 66 ou 69 points. 10 valants en J4 fait 72. Et le top, c'est un double appui, pas évident. 10 valantes en triple à 89. Sans scrabler, on ne dépasse pas les 39 points avec Frimé à IENT en triple. Ensuite, le B en pivot sur la case bleue foncée, c'est pas mal. Et le deuxième B en plus de l'autre côté, Bitube, hein, si on connaît, ça fait des points, ça gagne 7 sur le sous-top. BT, Betty. Alors Betty, c'est quoi déjà? Ça, c'est un adjectif aussi. C'est aussi d'un peuple. Mais c'est pas le même que BT. On verra ça tout à l'heure. BT, Bitu, Buté, tout ça, ça fait 25 points. Bon, tout se passe ici hein, pour marquer plus de 20 points. Sinon, c'est 19 avec Buzz, B-E-U-S-E, ou Bilé en 7J. Buzz, c'était en 9E. Le coup d'après. Tech avec le K en pivot sur la case bleu foncé, ça fait 67 points. TK adjectif en O11 au féminin, 47 et en B10, 36. Un tank en J7 avec le K qui triple, ça faisait 33. Pardon. Alors ici, deux solutions à 76, Euglen et Englué. Alors, je suis en train de me dire que je n'ai pas forcément fait le meilleur choix en préparant la partie. Je pense qu'il aurait mieux valu jouer Euglen pour les collantes ici. Parce que derrière EU, on peut mettre des choses. Hein, le H, le S, le T, le X. Alors que derrière EN, on ne peut pas. Et puis l'alternance voyelle-consonne était meilleure ici. Bon, c'est pas dramatique, mais c'était pas le choix le plus judicieux. Bref, donc c'était la seule possibilité, enfin les deux seules possibilités pour scrabler, Euglen et Englué, 76, sous top Englu en O10 à 33, et G1 en 1E qui forme été et net, jolie place à 28. Alors le fameux nonup à 248 points, valait mieux pas le rater, réopérer. Avec le P qui double, le Z dans le mot, tout ça fois 9, ça fait augmenter le score, mais quelque chose d'impressionnant. Il valait mieux pas le poser à côté, hein. Ça serait un peu rageant. 71 points au lieu de 248.
En 11H, le même mot faisait 88 et opérerait au même endroit que le sous-top. Enfin, que l'autre place devrait opérer. 88 également. Et donc, sans scrabler, REEZ avec le Z qui triple, le mot qui triple, qui double le mot qui triple, ça fait 69. Le coup suivant. Bon, là, il y a beaucoup de possibilités de scrabler, notamment en 12H. On met un S à bitube et on a dansé, damné, mandé, dégéna, démena, agendé, amendé, dépensa, qui font entre 79 et 77 points selon les configurations. Et danta et manda en deux ans, en deux va, et pende, bandé. 75, bon là on a Joker sur la case bleue, donc on descend 75 avec plein de solutions, Bédan, Caden, etc. Et donc le top est un petit peu plus subtil que ça, il suffit de coller, enfin il suffit. Il fallait avoir l'idée d'aller coller à gauche de Tech et de Curtage pour voilà, ENS, ça passe pile poil. C'est la seule possibilité de marquer un score supérieur à la ribambelle de sous-top à 79, 78, 77 là. Dépensa donc. Qui forme été, net et ska. Le coup suivant, eh bien on a 10 ans en main, il faut le connaître, un nouvel adjectif, 10 ans, 10 ans, c'est le sous-top, 10 ans, et à 68, et troisième scrab possible, sadisant du verbe sadiser, en J7 à 63 points, ensuite on descend à 31 avec sas ou ta en I1. Parler de la place tout à l'heure, formant ajouter curtage au pluriel, on le dit, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça fait 31. Le coup suivant, on s'approche de la fin, on va à 39 pour le top. Alors pourquoi ça fait autant? Parce qu'on a le V en pivot sur la case rose, on a le H dans le mot double, voilà, ça fait 39 points, presque 40, sans utiliser la moindre lettre chère. Avoyé en E11, 34 points, tout comme teinte et HYM en M12, en mot double. Et en E11, c'est un mot double aussi. Soya en J12, le Y qui triple, 33 points. Le coup suivant. Alors, sur ce coup, bientôt le dernier, deux solutions à 35, Sion et Sim. On retient Sion puisque ça n'utilise pas le joker. Sian faisait 34. Miosine en E9, 32. Et enfin, le dernier coup. Flo au pluriel à 40, au singulier à 38. Flu également 38. Tout ça, c'est sur le L de englué en mot double. Fixe en J4 avec le X qui triple 35. XIA, pareil, le X qui triple en J5, ça fait 33. Au même endroit, Mix fait aussi 33. Voilà, on en a terminé pour le passage en revue des coups de la partie. On va passer maintenant aux définitions. J'en donne lecture, hein, les définitions dans le rectangle vert qui est à gauche de la grille. Et je précise, hein, c'est pas exhaustif et c'est pas forcément dans l'ordre d'apparition dans la partie. Alors, thallium avec deux L, un métal blanc très malléable, non masculin. Quartile en statistique, c'est chacune des trois valeurs qui divisent une distribution en quatre parties égales. Bivalent, bivalente, ou bien divalent, divalente, relatif à un type de liaison chimique. Bitube, une arme ayant deux bouches à feu jumelées. Bété, un peuple de Côte d'Ivoire, adjectif B-E-T-E ou B-E-T-E-E. Tech, avec ou sans C, un arbre tropical. Teke, T-E-K-E, adjectif avec ou sans E, donc d'un peuple du Congo et du Gabon. Euglène, c'est une algue.
Finalement, féminin. 10 ans, 10 ans, adjectif et nom qui signifie qui s'exprime. Ova, H-O-V-A, adjectif relatif à une population de Madagascar. Avoyer, régler en parlant d'une scie de façon à élargir le tréfet dans le bois. Le sion, C-Y-O-N, c'est un chien sauvage d'Asie. La cime, C-Y-M-E en botanique, c'est une inflorescence. Le flot, non masculin, le débit du chanteur de rap. Sadiser, traité avec sadisme. Dissonner, partie passée invariable en musique, former une succession de sons désagréables. Bon, c'est la succession qui est désagréable, les sons, pas forcément entre, individuellement. Stadion, S-T-A-D-I-O-N, non masculin, dans l'Antiquité, c'était une épreuve de course à pied. Courson avec C-C-D-I ou S non masculin, branche taillée d'arbres fruitiers. Égéen, adjectif, égéen, égéenne au féminin, qui concerne les peuples de la mer Égée. Soja, soya, C-O-S-O-Y-A, pardon. C'est la plante qu'on connaît tous, hein, et qui se mange. L'itam, avec un H, ou l'itsam, dans les pays arabes, c'est le voile dont les musulmans se couvrent le bas du visage. Grecque, scié à l'aide d'une grecque. La grecque, c'est une scie. De relieur. Nocé, partie passée invariable, faire bombance. Quilt, couverture traditionnelle en patchwork d'Amérique du Nord. Carté en mine, dans les mines, c'est réduire par cartage. Le cartage étant une réduction de volume d'une roche sans modification de sa teneur moyenne. Également le verbe cartager qui signifie labourer pour la quatrième fois. Revif, c'est la montée de la marée. Le revif. Béti, d'un peuple du Cameroun. Béti, I ou IE. À la fin, au féminin. La myosine, c'est le constituant protéique des myofibrilles. Ixia, plante bulbeuse à belles fleurs, non féminin. Et on a fini avec les définitions. On va passer maintenant aux potentialités des tirages. Donc je vais changer d'affichage et revenir au premier coup. Alors, le premier tirage donnait sur un B paisible, sur un C éclipsé, dépilé, déplié, sur un D palifié, sur un F, piaille, sur un L empilé, sur un M, pilaire, pileré, pileré, replié, pixelisa, avec un ou deux L, hein, sur un X, et plaisier, sur un Z. Je ne vous mets pas les neuf lettres, il y en aura trop. Ici, eh bien, les deux passaient. Donc ça, c'était pour les 7 et 8 lettres. Et en 9 lettres, est-ce qu'on avait quelque chose de plus? Non. Alors là, qu'est-ce qui ne passait pas? Cargue, du verbe carguer. Courtage et croutage sur un O, greca sur un Q. Et en 9 lettres, il y aura sûrement pas mal de conjugaisons. Alors, Crategus. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une aubépine, ok. Et Ciguatera, maladie due à la consommation de poissons des récifs coralliens. C'est joli neuf lettres, ça. Crategus et Ciguatera. écroutage, curettage avec deux T. Rusticage, graticule, gratte-cul. C'est superbe. Alors, le tirage suivant nous donnait... Alors, que n'avons-nous pas vu? Couronné, coqueron. Et Roku, E-N-T. Avec, au niveau des, 8, des 7 et 8, c'est fait. Et en 8 et en 9 lettres, cordouane, équeron, écourgeon, moucheron, unicolore, contourné,
coursonne, qu'on trouve, convoqué, convoyeur. Voilà. Bon. Petite sélection, hein. Je ne vous dis pas tout parce que sinon c'est trop long. Alors là, on n'avait pas vu cliquera, fliquera, quillera, harlequin, réplica et reluqué sur un U. Je ne vous mets pas les 9 lettres, il y en aura trop. Alors ici, il n'y avait rien en 7, rien en 8, rien en 9. Ici, c'est pareil. Le tirage d'après, on a tout vu, pratiquement, sauf le E, des laves, des vals, et des lovants sur un O, et avec une lettre de plus, beaucoup de conjugaisons, j'imagine, beaucoup de ANT, des calvants. C'est quoi ça, c'est pas un verbe. D'accord, qui rend chauve, des calvants, je ne connaissais pas. Des nivelas divalentes, oui, bah forcément divalentes on a joué, des voilants, des livrants, des voltants, des valurants. Bon. Voilà, ensuite, eh bien, on n'avait rien en 7, rien en 8 et rien en 9 avec ce tirage. Le suivant, c'est pareil, celui d'après, on n'avait que les deux sept lettres qui passaient. On appuie sur un I, on avait élingué et E. Engelure sur un R, forcément les deux pluriels. Et engueulé sur un U. Et en neuf lettres, langueillé, épagneul, géniculé, désenglué, engrumelé. Engrelure. Engrélure, pardon. Voilà. Ensuite, on avait péroré en main. Enfin, c'est pas en tant que scrabble sec. Sur un C, procréé. Droperé sur un D. Sur le E, on les a vus. Sur le F, perforé, proféré. Pérorié forcément sur un I. Proneré sur un N. Et porteré, reporté sur un T. Le coup suivant, beaucoup trop de solutions. On va regarder s'il y a des trucs intéressants avec les lettres chères ou semi-chères. Désenfla. Diaken. Asyndète. Masdéen. Alors, le tirage suivant, bah, c'est celui qui défilait tout à l'heure en bas, là, 10 ans. On a joué sur le A, ça 10 ans, on l'a vu. Destina, Destina, 10 ans, ça 10, ENT sur un E, Dissona, Stadion. Et Distant sur un T en 9 lettres. Il y aura beaucoup de choses à cause des, enfin, du fait des conjugaisons. Anticida au pluriel, Bastidon au pluriel aussi, Syndicat au pluriel, Distança, Distance, Andésite. Dessuinta, tisserand, standiste, ostendais, standing au pluriel. Bon voilà, dissipant. Alors le tirage suivant ne donnait rien en 7, rien en 8, rien en 9. Et celui d'après, c'est pareil. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis, si la chaîne vous plaît, bien, je vous invite à vous en parler, à en parler autour de vous et à vous abonner si vous ne faites pas partie déjà des quelques 1070 privilégiés. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien.